Le thème qui suit donc ce message de la semaine passée est le suivant. Ces choses-là qui arrivent à ceux qui aiment Dieu. Ces choses-là qui arrivent à ceux qui aiment Dieu. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Romains, au chapitre 5, verset 5, et nous restons debout. S'il vous plaît. Romains, chapitre 5, le verset, chapitre 5, verset 5. Et nous restons debout. Merci pour votre obéissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 5? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On peut reprendre? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Père, je veux te rendre grâce pour ta présence. Merci pour ta parole que tu rends accessible en termes de compréhension et d'entendement à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment ayant une attente dans leur cœur. Que cette parole sorte avec toute la puissance habituelle pour permettre le renouvellement radical de notre intelligence, qu'elle suscite la foi, qu'elle permette à chacun d'entre nous de basculer vers un palier élevé de la manifestation de notre amour à ton égard. Merci pour la démonstration de ta puissance au travers des évidences que ce message produira dans la vie de plusieurs. Merci pour ton onction sur moi en ce moment encore. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Donnez-moi trois bons Amen s'il vous plaît. Amen, Amen, Amen. On peut s'asseoir dans sa magnifique présence. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la semaine passée, nous avons vu le texte Matthieu 22, où les pharisiens sont venus pour éprouver Jésus, lui posant la question, celle de savoir quel était le plus grand commandement de la loi. Et Jésus répondit avec toute l'intelligence et la sagesse d'en haut: aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Eh bien, Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors, qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est être attaché à Dieu, être son ami et avoir de la passion pour lui et son œuvre. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'êtes pas attaché à Dieu, si vous n'avez pas de la passion pour lui et pour ce qu'il vous demande de faire. Aimer Dieu, c'est aussi accorder la première place à Dieu dans votre cœur et votre vie. Lui accorder la première place dans votre cœur et dans votre vie. Eh bien, il ne faut pas oublier que Dieu est celui qui nous rend capables de l'aimer. Sans l'aide du Saint-Esprit, qui a répandu son amour dans notre cœur, il est impossible pour un croyant d'aimer Dieu. Donc Dieu te rend capable de l'aimer. C'est Dieu qui déclenche cet amour, car il a déjà déversé,
dans ton cœur cet amour par le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau. Donc il n'y a personne qui soit né de nouveau et qui dise, je n'ai pas l'amour de Dieu. Moi, ce n'est pas vrai. Cet amour est en toi. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'expriment pas cet amour. Je peux avoir quelque chose et ne pas manifester la chose. Mais l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Répète après moi, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et vous voyez, donc manifester l'amour de Dieu est un choix de vie. C'est un choix. C'est un choix que de manifester cet amour. Faire le choix de l'aimer, c'est un choix que chaque croyant devrait faire. Et vous voyez, parce que nous n'avons pas la révélation des choses qui arrivent à ceux qui aiment Dieu, très peu s'engagent sur ce chemin étroit de l'amour. Mais aimer Dieu a des conséquences positives, c'est incroyable, il y a des bénédictions énormes qui s'y rattachent. Et nous allons voir ces bénédictions, certaines d'entre elles. Numéro 1. Ceux qui aiment Dieu ont accès à la sagesse élevée de Dieu. Je dis bien, sagesse élevée. En Corinthiens 2, verset 8 à 10. Sagesse qu'aucun de ses chefs, de ses cercles n'a connue. Car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, voyez-vous? Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses de Dieu que je ne peux pas avoir si je n'aime pas Dieu. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Quand on parle de sagesse, la sagesse c'est l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu veut agir, il passe par ces voies-là. C'est ça la sagesse. Et beaucoup de personnes n'ont pas accès à la sagesse élevée parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous avez accès à cette sagesse. Et cette sagesse vous distingue. Elle vous rend spécial. Votre avis compte. Quand vous parlez, vous manifestez la lumière à cause, justement, de votre amour dans le cœur pour Dieu. J'ai vu beaucoup de personnes me dire, oh pasteur, je veux avoir la révélation de la parole, je veux lire la Bible et la comprendre. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Jésus a dit en quelque chose une fois, et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Il dit, si vous êtes infidèle dans ces choses-là, comment est-ce qu'on va vous confier de véritables richesses? Donc, il parlait de la fidélité dans les choses terrestres. Il dit, si dans votre gestion des choses de la terre, vous êtes infidèle vis-à-vis de Dieu, comment pensez-vous que Dieu vous confierait de véritables richesses? Bien aimé, la véritable richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la sagesse. Parce que la sagesse te donne accès à l'argent. Mais l'argent ne te donne pas accès à la sagesse. Donc la sagesse est supérieure à l'argent. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, ni les perles aux pourceaux. Vous ne pouvez pas avoir un cœur loin de Dieu et attendre que Dieu vous confie ses trésors. Ce n'est pas possible. La sagesse de Dieu est accessible à ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi l'aimer va certainement te distinguer. C'est clair et irréfutable. Ça va certainement te distinguer. Regardez ce que la Bible dit. Dans Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce qui est le commencement de la sagesse? La crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Vous voyez, le mot crainte vient du mot grec yirao, qui veut dire avoir de la révérence, une sainte révérence. Aimer et adorer Dieu. C'est ça, en fait. Donc, quand vous voyez dans les textes de l'Ancien Testament, le mot craindre Dieu, ce mot-là veut aussi dire aimer
au point où nous avons de la révérence. Vous vous rappelez d'Abraham? La Bible dit, Dieu lui a dit, maintenant que je sais que tu me crains et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez, cette crainte-là, c'était de l'amour, qui avait la révérence au point de ne rien refuser à Dieu, de lui obéir même au détriment de sa propre personne. C'est ce que Dieu voulait dire. Et quand Abraham prenait son fils pour aller sur la montagne, il a dit quelque chose de très fort à son serviteur. Attendez ici, moi et mon fils, on va sur la montagne pour adorer. Donc il parlait d'adoration, alors que beaucoup de personnes parlent de sacrifice. Donc son cœur allait vers Dieu juste pour démontrer son amour, sa loyauté, sa passion, sa révérence à l'égard de ce Dieu-là. Et ce n'est donc pas pour rien que Dieu appela Abraham le père de la foi. Si tu aimes Dieu, je te garantis, quel que soit le domaine, le couloir dans lequel Dieu t'a placé, tu auras la prééminence. Non, ton amen m'embête. Amen. Je te dis, tu auras la prééminence. Amen. Ta sagesse va éblouir ceux qui sont tes patrons. Amen. On viendra à toi trouver la solution au problème à cause de la crainte de Dieu dans ton cœur. Que tu sois juriste, que tu sois médecin, que tu sois dans l'armée, que tu sois dans le business, que tu sois musicien, la sagesse de Dieu sera avec toi. Vous voyez, il y a des choses que Dieu te communique à cause de la qualité du cœur que tu as. Donc vraiment, veille sur ton cœur plus que toute chose. Car la Bible dit, de ton cœur émaneront les sources de la vie. C'est très important. Très important. Bien-aimé, c'est très important. Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. On dit quoi? Heureux. L'homme qui craint l'Éternel. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on est pauvre et qu'on est dépourvu de biens, on pense que l'argent fait le bonheur. Ce n'est pas vrai. Je vous garantis, ce n'est pas vrai. L'argent peut résoudre certains problèmes, mais jamais déclencher le vrai bonheur dans votre âme. Ce n'est pas possible. La Bible dit, heureux celui qui craint Dieu. Il y a un bonheur, un vrai bonheur qu'on n'a que quand on craint l'Éternel. Quand on le craint. Matthieu 6, verset 33 à 34, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc Dieu nous dit, je vous montre le chemin par excellence, pour avoir accès à tous les trésors de Dieu, aimez Dieu. C'est ce que ça veut dire. Aimez Dieu. Faites de Dieu la priorité de votre vie et toute chose par-dessus tout vous sera accordée. Les gens qui craignent Dieu ne se battent pas pour obtenir certaines choses, mais le ciel se bat afin qu'ils aient accès à tout ce dont ils ont besoin sur la terre. Et je déclare sur ta vie que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Et ton amen n'est valable que si tu aimes Dieu. Donc en donnant à Dieu la première place dans ton cœur et dans ta vie, tu n'auras pas à t'inquiéter du lendemain. Mais c'est bien le contraire. Chaque jour qui se lèvera recevra les instructions, pas de toi, mais de Dieu. Souvenez-vous que la Bible dit que Jésus intercède pour nous. Il y a des personnes pour lesquelles Jésus devance les jours en disant, il faut que tu t'arranges, ange de l'Éternel, allez-vous à tel endroit, aux deux plateaux, à Port-Boué, à Kumasi, en France, aux États-Unis, envoyez-moi ce paquet à telle personne. Vous n'avez même pas fait la demande, mais le ciel l'envoie parce que vous aimez l'Éternel. Il faut aimer Dieu. C'est simplement quelque chose d'extraordinaire que de l'aimer. Et troisième chose qui arrive de fantastique, c'est que leur postérité est bénie. Waouh! Waouh! Leur postérité est bénie. Psaume 112, verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Oui. Il y a des choses qui arriveront à tes enfants à cause du simple fait que tu lèves les mains dans la présence de Dieu et que tu l'adores. Le simple fait que tu aies pris la résolution de vivre dans la droiture. Le ciel tiendra compte.
et comblera tes enfants de façon indescriptible. Vous voyez, c'est très important. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce principe, mais c'est vrai. Quand nous craignons Dieu, nous attirons une faveur exceptionnelle sur nos enfants. Vous avez déjà vu des gens riches, très riches, les enfants finissent drogués, ils finissent dans la prostitution, dans la dépravation. Et vous voyez, vous posez des questions. Mais cet enfant avait tout, oui, il avait tout, mais comment? Qu'est-ce que le père avait fait? Comment est-ce que les parents se sont conduits? Il y a des gens qui ont giflé des pasteurs, participé à la mort des apôtres, participé à la mort des prophètes, pillé des caisses, être des voleurs. Et Dieu dit, ok, il n'y a aucun problème, mais conserve-moi le moisson. Aussi longtemps que dans la lignée, quelqu'un de ses enfants ne s'est pas tourné vers Jésus pour crier et demander pardon, cette malédiction du Père commence à avoir un impact négatif sur sa racine. C'est ce que la Bible dit. Regardez, bien que ce soit dans l'Ancien Testament, c'est encore vrai aujourd'hui, Deutéronome 5, verset 9 à 10, tu ne te posséderas point devant elle. Devant d'autres dieux, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Dis, ça, ce n'est pas mon partage. Oh, dis-le comme si tu le crois. Hallelujah. Mais regardez ce qui suit et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Hallelujah. Donc vous pouvez dire à vos enfants, réunissez vos enfants à table et dites à vos enfants, vous êtes bénis à cause de la crainte que j'ai de Dieu. Dites-le à vos enfants, dites-le. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Dites-le là, tous les jours, rappelez à vos enfants. Vous êtes heureux, vous serez favorisés dans la vie. Après l'école, vous trouverez des emplois. Les meilleurs postes vous seront réservés. Ils vont vous demander, mais papa comment? Vous dites, à cause de la crainte et de mon amour pour Dieu, vous êtes favorisés. Est-ce que vous comprenez? Ce qui arrive aux autres ne vous arriveront pas à cause de la crainte. Vous savez, vos enfants peuvent être en train même de coucher avec une prostituée qui est le virus du sida et elle ne prend pas. Il ne prend pas. Pas qu'il n'a pas péché, il a vraiment péché. Mais à cause de le cœur du Père pour Dieu. Le Père dit, enfant protégé. Vous savez, votre bonté, votre fidélité va avoir un impact positif sur vos enfants. N'oubliez pas, bien-aimé, vous n'avez pas le devoir, vous n'avez pas le devoir de compromettre. Ce n'est pas simplement votre vie que vous compromettrez. Vous serez en train de compromettre même la vie de vos enfants. À cause d'eux, tenez-vous droit, tenez-vous juste, soyez intègre, soyez fidèle. Car la richesse n'a pas plus de valeur que la faveur de Dieu et l'approbation du regard de Dieu sur ta personne. Construisons des valeurs. Soyons cette espèce en voie de disparition dans cette génération. Des personnes qui peuvent regarder l'argent et dire, cet argent, je n'en veux pas parce que j'aime l'Éternel. Aimez Dieu véritablement. Ta postérité est bénie. Et puis ensuite, quatrièmement, ta maison est comblée. Amen. Moi, j'aime cet amen-là. Amen. Ta maison est comblée. Je veux demander à certains d'entre vous d'avoir un plus grand frigo. Amen. Augmentez l'espace de vos greniers parce que l'abondance est en train d'atterrir dans votre maison. Alléluia. Amen. Amen, c'est ce que la Bible dit. Psaume 112, verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Quand je parle de combler, c'est-à-dire santé divine, protection divine, faveur divine. Écoutez, vous savez, il y a une certaine dimension de la marche avec Dieu où Dieu ne choisit plus ce que tu manges. Il dit non, je ne peux plus choisir pour toi. Tu m'aimes tellement que je t'ouvre mon trésor. C'est à toi de choisir. Mais il y a des moments où c'est le désert, la manne et la caille, la manne et la caille, la manne et la caille, la manne et la caille. Mais aujourd'hui, Dieu dit stop. Stop. Maintenant, toi-même, passe ta commande. Mes trésors te sont ouverts. Je déclare sur ta vie que Dieu t'amène à ce palier élevé. Alléluia.
dans ta maison. Même les enfants vont sourire. Au point où même le chat, même la souris de ta maison sera à l'aise. Parce que ta maison est comblée. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit encore je reçois. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous craignez Dieu, même l'atmosphère de votre maison n'est pas la même. Vous ne pouvez pas être malade et vous dormez chez moi pendant 3 jours sans être guéri. Parce que le ciel est ouvert. Ma maison est une ambassade de Dieu. C'est une maison comblée, bénie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, quand je le dis, certaines personnes d'entre vous pensaient que c'est la vérité. Hein? J'ai mis un drapeau dans ma maison. Les gens me demandent c'est quel drapeau, c'est quel ambassadeur qui est ici. Et tout mon quartier sait maintenant que c'est un ambassadeur de Dieu. Un grand drapeau avec une croix rouge. C'est un territoire inviolable. C'est un endroit où on vit le bonheur, où la paix de Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'il en soit ainsi dans ta maison, à cause de ton cœur, au nom suprême de Jésus. On ne fait pas de cauchemars chez moi, on fait des révélations. On a des visions claires. Quand tu rêves dans ma maison, tu n'oublies pas, tu gardes jusqu'au dernier détail. Parce qu'il n'y a pas de zone brouillée. Le ciel est totalement dégagé. Qu'il en soit ainsi chez toi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Mais si au lieu d'entendre des cantiques chez toi, on entend le dembolo, le jazz, le rock, etc., la salsa, la rumba, et tout le temps c'est les films brésiliens qui saturent l'atmosphère, il est probable que les ondes soient brouillées. Aime l'Éternel dans ta maison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aime l'Éternel dans ta maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne déconne pas le téléphone et dit pas, oh, dites que je ne suis pas là. Dites, il est là, mais il est occupé, il ne veut pas vous prendre. C'est ça, aimer Dieu. Parler en toute droiture, être franc, pas de, non, droiture. Regardez quelqu'un en face et dit, bien-aimé, tu as demandé, j'aime et je ne te donne pas. C'est pour ton bien. C'est ça, aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce que j'appelle génération rare. De personnes en voie de disparition. Qui savent dire la vérité. Est-ce que ça va? Ta maison sera comblée. Amen. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous êtes saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. La Bible dit rien ne manque. Je dis rien ne te manquera. Si tu crains Dieu et que tu l'aimes, je dis rien ne manquera à ta vie. Tu penseras à quelque chose et tu vas l'acquérir. À cause de la grâce et de la faveur de Dieu sur ta vie, quelqu'un dit, je saisis cette parole. Elle est mon partage. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui veulent aimer Dieu davantage? Amen. Donc ta maison est comblée. Ensuite, alors j'aime ceci. La faveur de Dieu sera ton partage. 5. La faveur de Dieu est leur partage. Ceux qui aiment Dieu sont favorisés par Dieu. C'est vrai que Dieu ne fait exception de personne, mais il y a des personnes que Dieu, à cause de leur amour pour lui, préfère à d'autres. Ça, je vous dis clairement. Il y a d'autres, il y a des personnes, mais en face, Dieu dit, je choisis celui-là. Du temps de Job, ils étaient nombreux, mais Dieu n'a pas envoyé Satan dans n'importe quelle maison. Il a dit à Satan, est-ce que tu vois mon serviteur Job? Il y avait Barthélemy, il y avait Josué, il y avait Marc, il y avait Hugues, il y avait Sandrine, il y avait Marie, Josette. Mais il a dit, est-ce que tu vois mon serviteur Job? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu aimes Dieu, même le regard de Dieu est attentif à ta personne. Dieu est fier de toi et il parle de toi. Il raconte, est-ce que tu as vu cette personne? Il y a des gens qui parlent de Dieu, il y a des gens de qui Dieu parle. Parce que Dieu les connaît. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Et regardez ce que c'est que la faveur. Parce que dans certains d'entre nous, quand je dis faveur divine, vous ne comprenez pas. La faveur divine, je la définis comme étant une disposition spéciale que Dieu prend à l'égard pour t'accorder son appui. Que Dieu prend à l'égard de quelqu'un qui l'aime pour lui accorder son appui. C'est-à-dire que Dieu te soutient pour te faire disposer de ses avantages et de ses privilèges.
Aujourd'hui, dans la fonction publique, si tu veux un poste, on va te demander, tu es soutenu par qui? Qui te soutient? Est-ce que c'est elle? Est-ce que tu es du clan des X ou des Y? Qui est ton parrain? Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être parrainé par les hommes. Tu n'as pas besoin de chercher ça. Si Dieu est vraiment pour toi, il pourra prendre le cœur des hommes et le tourner en ta faveur parce que tu l'aimes. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 16, verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire que quelqu'un te détestera. Quelqu'un aura juré que tant qu'il est là, tu n'auras pas la promotion. Il y aura deux options. Soit il ne sera plus là, soit il sera obligé de signer, mais en grinçant des dents. Parce qu'il y a des gens que personne ne peut arrêter. Quand le ciel a décidé, tu seras obligé de viser. Est-ce que vous savez qu'un ange est capable de prendre le téléphone et d'appeler un patron pour dire « Ici, le président Alassane Dramane Ouattara, j'appelle pour te recommander telle personne. » Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Quels sont les gens qui croient à l'impossible? Dieu est capable de faire ça. Est-ce que vous savez que Dieu est capable d'apparaître en songe au président de la République, de donner ton nom en disant voilà la solution pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et on commence à te rechercher, pas parce que tu as fait du mal, mais parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Je déclare sur ta vie que cette faveur. Amen. C'est ce que j'appelle bénédiction à tête chercheuse. Partout tu vas dire bababababa. Ça te cherche et ça te trouve. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Alléluia. La Bible dit l'homme de bien a la faveur, obtient la faveur de l'Éternel. Un gars qui travaillait pour un homme de Dieu, qui a décidé de lui accorder un cadeau de fidélité, a fait son visa, il l'a amené aux États-Unis. Sauf que ce même gars, avant d'être un homme de Dieu, avait servi dans la maison d'un riche, très riche, américain, dans son pays. Et après ça, l'Américain était parti en Amérique. L'Américain, le gars l'avait oublié. Quand il est parti avec le pasteur en programme en Amérique, ils arrivent à l'aéroport, on donne le passeport, au retour, pour sortir du pays, on arrête le gars. Le pasteur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars a été recherché. Il demande, qu'est-ce que tu as fait? Le gars dit, j'ai rien fait. On prend le gars, le pasteur était pressé, il ne pouvait plus, le vol doit partir, il a un autre programme, il dit, ok, les gens qui sont ici vont s'occuper de ton cas. Et il s'en va. Sauf qu'on recherchait Stéphane, pas parce qu'il avait fait quelque chose de mauvais, mais parce que l'Américain était mort et lui avait légué tout son héritage et il était recherché. Donc, comme par hasard, mais comme le hasard n'existe pas, Dieu l'a repositionné en Amérique. Et quand on l'a cherché, c'était parce que son statut avait changé. On l'a amené dans une pièce, on demande est-ce que tu veux boire quelque chose? Lui, mais il ne comprend pas. Ce gars qui a l'habitude de nettoyer le sol, de s'occuper des habits de son patron, on demande s'il veut boire quelque chose. Sauf que l'histoire de cet homme avait décidé de changer. Dieu avait changé radicalement. Il n'était pas cherché parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Il était recherché parce qu'il y avait une bénédiction qui était suspendue à sa vie et il fallait qu'elle le retrouve. Je déclare sur ta vie que de tels témoignages te seront accordés au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Hein? Une faveur spéciale de la part de Dieu. Dis, je reçois. Alléluia. Connexion surnaturelle. Bien-aimé, connexion surnaturelle. Il y a des personnes importantes que tu rencontreras. Tu n'auras pas cherché. Tu ne seras pas allé t'asseoir à la salle d'attente pendant 3 heures pour qu'on te reçoive. Non. Ces personnes, elles-mêmes viendront à toi. Connexion surnaturelle. Dieu est capable de choses incroyables. Santé divine. Promotion soudaine et inattendue.
Ce n'est pas les promotions en cachette. Soudaine et inattendue. Comme tu manges comme ça et puis on va communiquer à RTI. Tu regardes, paf, on cite ton nom et ta cuillère tombe de la bouche. Tu viens d'avoir une promotion. Le Seigneur lui-même vient d'opérer un miracle dans ta vie et ta destinée. Ces choses-là arrivent à ceux qui aiment Dieu. Écoutez-moi ceci, écoutez-moi vous dire ceci. J'entends le Seigneur me le dire maintenant. Quand tu aimes Dieu, Dieu n'attend pas que tu arrives au ciel pour te prouver qu'il est avec toi. Il commence sur la terre à t'embarrasser de son amour, de répondre à ta passion, à ton engagement, à tes sacrifices, afin que dans ta génération, tu sois distingué et tu deviennes une preuve vivante, une illustration parfaite de ce que Dieu est capable de faire. Je déclare sur ta vie que ces choses t'arriveront. Que quelqu'un me donne un très bon amen. Et tu auras des espoirs inhabituels à cause de cette faveur sur ta vie. Parce que Dieu a une disposition spéciale qu'il prend à ton égard. Ce ne sera pas une question de compétence, ce sera une question de faveur. Ce ne sera pas une question de connaissance, ce sera une question de faveur. Ce ne sera pas une question de Dieu là-bas, ce sera une question de faveur. Parce que là où les gens prennent 20 ans, tu prendras 2 heures. Et les choses s'ouvriront à cause de cette faveur qui accompagne ta destinée. Donc quand vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats que les autres. Parce que le facteur faveur gouverne votre destinée. Amen. Et il y a une sixième bénédiction incroyable. Celle-là, beaucoup de personnes ne l'aiment pas, mais elle est sublime. Elle s'appelle la persécution des frères. Quand vous aimez Dieu, les frères vous persécutent. Vous savez, beaucoup de croyants n'aiment pas ça. Oh! Non, mais pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent, bien-aimés? Quand vous aimez Dieu, la preuve de son amour est souvent démontrée par la persécution des frères. Des frères. Marc 10, verset 29 à 30, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de sa bonne nouvelle, de la bonne nouvelle, sa maison. Il a quitté quoi? Ça ne veut pas dire qu'il a quitté sa maison pour aller dans un autre quartier. Souvent, il a quitté sa maison, il a donné la maison sur l'autel, comme offrande. Souvent, il peut être parti pour l'évangile. Ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent centuples présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Ça veut dire quoi? À cause de l'amour que tu as pour Dieu, il y a des frères avec qui tu ne vas plus t'entendre. Tu seras aussi longtemps qu'être ensemble, s'aller dans les fétiches, jamais plus. Vous savez, si votre amour pour Dieu ne provoque pas certaine séparation avec certains hommes, je vous garantis, vous n'êtes pas en train d'aimer Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh, pasteur, si je ne vais pas danser à la fin des générations, si je ne me fais pas faire tout ce qu'on fait, et que les gens de mon village, ils vont, comment est-ce qu'ils vont me regarder? Bien-aimé, comment est-ce qu'ils vont te regarder? C'est ça aussi le prix à payer. Qu'ils te regardent comme un perdu, pour que par la personne qu'ils ont appelée perdu, ils soient tous retrouvés. C'est le prix à payer, bien-aimés. C'est le prix à payer. Aujourd'hui, on a des conversions climatisées. C'est-à-dire, on conserve tout, on est là, on essaie d'arrondir les bords, on est d'accord avec tout le monde, on essaie d'ici. Non, bien-aimés, si c'est ça ta conversion, il y a un problème. Parce que l'amour de Dieu dans ton cœur exige des séparations. Et souvent douloureuse et pénible. Il faut être à même d'y arriver. Ah non, on va se marier. La famille dit, ok, c'est parfait. La première partie, elle est chrétienne. La deuxième, c'est notre fête. On va venir danser, faire couler du champagne et du vin. On va venir, c'est ton mariage. Oh pasteur, si je ne le fais pas, ils ne vont pas me sponsoriser. Est-ce que c'est ta famille qui a institué le mariage? Pasteur, venez au deuil. Mais vous avez jusqu'à telle heure. Après ça, la famille prend le relais. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Jusqu'où tu payes le prix? Jusqu'où tu demandes ta passion? Ce n'est pas des lèvres. C'est quand cet amour te coûte quelque chose. La persécution des frères. Et je vais vous dire, dans 1 Jean 3, verset 12 à 13, il dit,
de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Suivez bien. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient bonnes, étaient justes. Écoute-moi très bien. Il y a des gens dans le royaume des cieux. Ils vont vouloir votre mort. Je dis bien les enfants de Dieu. Qui vont vous chercher des problèmes à cause de ce qui vous arrivera. Vous savez, beaucoup se sont installés dans le lit de la religion. Ils sont là, ils vont à l'église, mais ils n'ont plus de foi en Dieu. Mais toi, tu as résolu d'être vrai. Tu as résolu d'être vrai. Et ils vont commencer à te regarder pour dire, mais il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? On va à l'église avant elle. Oui, vous allez à l'église avant elle, mais j'ai mon alliance, je la garde. Et mes dieux, c'est ça. Et ces personnes, vous commencez à être pour elles le jugement. Quand elles vous voient, elles se rendent compte que leurs œuvres sont mauvaises. Vous savez que chacun d'entre nous est un jugement pour sa génération. Vous arrivez au bureau, tout le monde prend les dessus de table. Dès que vous entrez, la conversation s'arrête. Parce qu'on dit, lui là, s'il est au courant, il va dénoncer. C'est un bon témoignage. Si les païens sont à l'aise dans leurs choses en ta présence, ça veut dire que tu es avec eux. Il n'y a jamais, les ténèbres n'ont jamais une expression vivante où la lumière se trouve. Bien qu'elle soit présente. Les ténèbres ne sont pas loin, elles sont là, mais elles sont silencieuses et absentes. À cause de l'éclat de la lumière. C'est ce que nous sommes appelés à être. Est-ce que vous comprenez? Pas des personnes qui sont là, qui courent simplement après l'argent, la maison, les voitures. Non, tout ça, ça n'a rien du tout. Rien du tout. S'il n'y a pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu périras avec tes biens. Non, non, non. Si l'amour de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à un homme, aimez Dieu. N'épousez pas un homme parce qu'il présente bien. Épousez un homme parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il craint Dieu. Un homme qui peut lever ses mains dans la présence de Dieu. Un homme qui peut pleurer. Un homme qui peut danser et crier dans sa présence. Voilà un vrai homme. Même s'il marche à pied. Dieu, qui est Dieu, qui veille sur sa parole, qui tient ses promesses, prendra cet homme et en fera quelqu'un de respecté et d'honorable. Ne méprisez jamais quelqu'un qui craint Dieu. Parce que c'est un candidat à la distinction. C'est la future personne que Dieu va décorer dans sa génération. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est tout simplement merveilleux. N'épousez pas une femme à cause de son nez et de ses ongles, à cause de ses cheveux, souvent ça vient du Brésil ou de l'Inde. N'épousez pas une femme pour ça, épousez une femme qui craint Dieu. Qui a le cœur qui bat, boum, 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 au rythme de Dieu, parce qu'elle le craint. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vraie femme. Aujourd'hui, les gens entrent dans les mêmes critères païens et qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu. Craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Oh, ma soeur, je m'en bénis. Il est un peu. Il est un peu. Je vous garantis qu'il y a des hommes autant être seuls que d'être avec eux. C'est comme si on vous a mis des clous sous les pieds. On vous demande de marcher avec des clous. Tellement ces hommes, c'est un traumatisme vivant. Ce sont des relais de l'enfer dans ta chambre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce genre d'homme, ce n'est pas pour toi. Quelqu'un dise amen. Que les femmes disent amen. D'accord? C'est très important, bien-aimé. Amen. Craignons Dieu. Dis à ton voisin, moi je crains l'Éternel. Dis encore, je crains l'Éternel. Vous savez, souvent on pense qu'être seul, c'est une malédiction. Souvent ça peut être une extraordinaire bénédiction. Mieux vaut être seul, ça c'est clair, que d'être mal accompagné. Amen. Moi je ne parle même pas d'accompagner, que d'être mal allié. Parce que le mari n'est pas un accompagnateur, c'est un allié. Donc si l'allié devient un persécuteur, alors l'enfer a commencé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention. La crainte de l'Éternel. D'accord? Point numéro. Si je prends aussi, je vais vous dire, moi-même. Un jour, j'étais ici et j'ai invité un pasteur à enseigner à l'école biblique. Il est venu et puis il m'a dit, on a passé le temps ensemble et il s'est ouvert. Il m'a dit, écoute, tu sais, j'étais à une réunion, les pasteurs sont venus et puis on parlait de toi. Et donc on a conclu, hein, certains d'entre nous,
que si tu mourais, c'était bien. Pasteur, authentique histoire, authentique. Il y a des noms qui sont sortis, très respectables, honorables dans la place, mais je n'en ai pas tenu compte. Mais vous savez, à un certain moment de la marche dans le royaume, les persécuteurs, ce n'est plus les païens, c'est les propres frères. Joseph n'a pas été vendu par les voisins, par ses propres frères. Jésus n'a pas été amené à la croix par les musulmans, par ses propres frères. Donc, la persécution viendra par les propres frères. Donc, ne dis pas, non, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi mes frères? Non, ce n'est ni la première ni la dernière personne. Si ça arrivait à Jésus, ça arrivera. La persécution fait partie du lot des bénédictions. Heureux serez-vous lorsque les gens vous persécuteront. Aujourd'hui, on a des gens qui pleurent parce qu'ils sont persécutés. Danse dans ta chambre. Alléluia. À cause de l'évangile, on me persécute. C'est un signe que ton impact a commencé. Si tu ne créais pas de l'influence, on ne parlerait pas de toi. Si tu n'étais pas quelqu'un qui était radical et qui faisait de l'impact, les femmes n'allaient pas se mettre en conseil pour commencer à te regarder d'un mauvais œil. Leur mauvais œil ne veut pas dire que tu es mauvais. Ça veut dire qu'eux, ils sont mauvais. Continue ta marche. Ne te détourne pas, sois focalisé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des Jeux Olympiques, et puis je voyais une course hier. Quand on est en train de courir, on peut t'insulter. Mais celui qui t'insulte, si tu tournes le regard pour regarder, tu perds ta performance. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, sois focalisé. Que quelqu'un dise, ça c'est ma parole. Alléluia. Septième chose qui arrive, la protection surnaturelle. Dit surnaturellement protégé. Psaume 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel, ça veut dire que le regard de Dieu est permanemment sur toi. Amen. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Donc, je ne suis pas délivré parce que j'ai prié, je suis protégé, parce que je suis en alliance et que j'aime Dieu. Sa protection est sur moi et sur ma demeure, parce que je l'aime. Un jour, quand j'habitais à Dieu, à cette époque-là, j'avais un bureau de l'autre côté et engrais. Et on m'a appelé pour me dire qu'il y a des bandits qui sont entrés chez moi. Ils sont entrés, je suis revenu, j'ai trouvé qu'ils avaient pris tout ce qu'il y avait de précieux dans la maison. J'étais pas content de voir ça. Je me disais, il faut recommencer encore à acheter. À cette époque, c'était des économies précieuses qui te donnaient d'acheter un poste téléviseur. Ils avaient pris. Alors maintenant, en sortant par l'arrière, je me rends compte que tout le paquet avait été posé derrière. Ils ne sont pas partis avec. Alors j'ai conclu qu'un ange de l'Éternel leur était apparu. Et il a dit, hé, les gars, posez ça là. Et ils ont fui. Bien-aimés, même quand vous n'êtes pas là, Dieu veille. Amen. Vos avoirs sont sécurisés. Dis à ton voisin, je suis hautement protégé. Alléluia. Amen. Point numéro 8. Toutes choses concourent pour leur bien. Donne-moi ce bon amen. J'aime ça. Toutes choses concourent pour leur bien. Romains 8, verset 28. Ça, c'est un texte qu'on a très mal cité. Mais vous allez comprendre le sens. Très, très mal. Oh, toutes choses concourent bien. Non. Toutes choses ne concourent pas bien les enfants de Dieu. Il y a des choses qui arrivent aux enfants de Dieu et puis ça les crée des problèmes. Mais la Bible dit ici, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu et que tu n'aimes pas Dieu, ce verset ne te concerne pas. Lève la main droite si tu es concerné. Dis, j'aime Dieu. Alors tout ce qui m'arrive va concourir à mon bien. Regardez David. David aimait Dieu, sérieusement. Mais vous savez, le fait d'aimer Dieu ne veut pas dire que vous ne commettrez pas d'erreur. Il n'y a aucune personne sur la terre qui n'ait pas commis d'erreur. Quelqu'un qui vous dit, j'ai jamais commis d'erreur, est un prétentieux, c'est une personne malhonnête, fuyez de telle personne. Personne ne peut dire, j'ai pas commis d'erreur. Personne. Donc David a commis une erreur. Mais il n'est pas resté dans l'erreur. L'erreur ne fait pas de toi une erreur. L'erreur, c'est l'action posée. Alors que toi, c'est toi. Donc, ne t'identifie pas à tes erreurs. Non, 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 non. Répare-les.
par la repentance sincère et en revenant à Dieu de tout ton cœur. Lis les psaumes de David quand il criait à Dieu, quand il a commis l'adultère, quand il pleurait devant Dieu, quand il priait, il criait à l'Éternel. La Bible dit de la même femme du riz, la même femme. L'enfant qu'il a eu avec elle, alors que le mari était vivant, est mort. Mais après, Dieu a permis qu'il épouse cette femme. Dans son contexte, c'était possible. Aujourd'hui, c'est impossible. Et il a eu un enfant avec cette femme qui est appelée Salomon. Et vous savez quoi? David avait plusieurs fils. Dieu a choisi Salomon pour être l'ancêtre de Jésus. Pour nous montrer la grandeur et l'immensité du pardon divin. Jusqu'où Dieu est capable de restaurer. Dieu peut prendre ton erreur et en faire le tremplin de ton élévation et de ta distinction. La même erreur, parce que tu lèves, il change ça radicalement. Pour t'amener à un autre palier. Alors que les religieux vont dire, oh non, Dieu l'a lâché, mais Dieu va continuer de montrer qu'il est avec toi parce que ton cœur est sincère. Heureux celui dont le péché est pardonné. Il y a des gens dont le péché n'est jamais connu et ils meurent dans le péché méconnu. Mais quand toi, tu as été sincère avec Dieu et que tu l'as délaissé, la gloire de Dieu t'accompagne. Vous voyez, toutes choses concourent à ton bien. Neuf, ils ont accès aux bénédictions rares. Dis bénédiction rare. Dis-le comme si tu le penses. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis, on écoute des témoignages, ils sont bénis, mais il y a des bénédictions rares. Salomon a vécu une bénédiction rare. 1 roi 3, verset 3 à 5, Salomon aimait l'Éternel. Dis, j'aime Dieu. Vous voyez, ça commence à baisser. Dis encore, j'aime Dieu. Dis-le encore, j'aime Dieu. Laisse que le diable t'entende, dis, j'aime Dieu. Dis-le encore, j'aime Dieu. Amen. Amen. Salomon aimait l'Éternel. Et la Bible dit, et suivait les coutumes de David. Vous savez, quand vous avez un père qui aime Dieu, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Même un père spirituel qui aime Dieu, c'est un privilège. Parce qu'il vous influence positivement. Salomon a été influencé, il aimait Dieu. Seulement la Bible dit que c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui partaient au même endroit. C'était le principal des hauts lieux, beaucoup de personnes y partaient. Mais la Bible dit, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en songe. À Salomon, pendant la nuit, l'Éternel lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ça, Dieu ne parle pas comme ça à tout le monde. Est-ce que tu sais que tu peux amener Dieu à te parler? S'il ne fait exception de personne, Dieu peut descendre dans ta chambre et négocier avec toi. Mais il faut que les critères soient remplis. Premièrement, que tu aimes Dieu. Les gens pensent que Dieu est descendu pour 1000 holocaustes. Qu'est-ce que 1000 holocaustes devant la grandeur de Dieu? Devant l'immensité de Dieu? Non, ce n'est pas 1000 holocaustes qui ont fait que Dieu descende. Non. C'est parce que Salomon aimait l'Éternel. Vous pouvez offrir 1 milliard d'holocaustes. Si vous n'aimez pas Dieu, Dieu ne descend pas chez vous. On pose sur l'autel celui qui donne 10 millions, Dieu va le visiter. Si ce gars qui veut donner 10 millions a un cœur de mafio et il pense qu'il est en train de faire un micmac avec Dieu, Dieu ne viendra pas. Le pasteur sera heureux d'avoir ça dans ses caisses, mais le ciel n'aura même pas compté ça comme une offrande. Bien-aimé, arrêtez de traiter Dieu comme une prostituée. Dieu n'est pas une prostituée. Qui attend la première personne qui vienne avec son argent pour qu'ils soient en relation? Ce n'est pas vrai. Non, Dieu n'est pas une prostituée. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous voyez, on a, oh, il a donné 50 millions, acclamons pour lui, non, ce gars c'est un trafiquant, ce gars c'est un mafieux, et puis vous êtes là, vous le présentez comme s'il était un, alors qu'il y a une femme honnête qui vend ses arachides, qui a un capital de 50 000, et qui a donné 45 000 sur ses 50 000, et elle est, on ne la connaît pas, parce que ça n'a aucune valeur. La seule fois où Jésus a apprécié quelqu'un qui a donné l'offrande, ce n'était pas un gros montant, c'était le petit montant. Je ne suis pas en train de te dire de donner un peu. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Parce que quand l'esprit d'avarice est dans le cœur, les gens comprennent mal les Écritures. C'est pas ce que j'ai dit. Mais la Bible dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre.
Donc Dieu ne mesure pas la grandeur à partir du montant, il mesure la grandeur à partir de ce qui reste. Donc c'est ce qui reste à partir de là qu'il mesure. J'ai donné 10 millions, mais j'avais 1 milliard, il reste 990 millions. J'ai donné 5 millions, mais j'en avais 7, il reste 2 millions. 5 millions est plus grand que 10. Voilà les critères de mesure, en fonction de ce qui reste. Et vous voyez, les gens sont donc là, oh oui, vous êtes là, apportez, oh Dieu m'a montré, il y a 17 personnes ici qui n'ont fait les offrandes, 17 millions, je vais les visiter. Non, les 17 personnes qui viennent, si le cœur n'est pas droit, Dieu ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. Oh, j'ai sémé, j'ai rien vu. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur? Tu es venu à la loterie ou bien tu es venu faire un trafic? Non, ce n'est pas un trafic. C'est vrai que c'est un principe, mais pour que Dieu te rende visite, il faut un, d'abord, le cœur. Regardez. Regardez dans Genèse 4, verset 4. Parce que certaines personnes pensent que j'invente ce que j'ai dit. Regardez Genèse 4, 4. La Bible dit, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, d'accord? Et sur son offrande. Il y a deux. D'abord, il a approuvé qui? Abel. Ensuite, il a approuvé qui? Son offrande. Donc, ce n'était pas que l'offrande, c'était d'abord la personne et ensuite l'offrande. Voyez-vous? C'est très important. Donc, la personne et l'offrande. Et enfin, dixième, ils font des exploits avec Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous faites des exploits avec Dieu. Parce que pour faire des exploits, il faut aimer Dieu. Si Abraham n'aimait pas Dieu, quand Dieu lui a dit quitte ton pays, ta patrie, c'est impossible de partir. Il y a des gens qui aiment Dieu aussi longtemps qu'ils ne sortent pas de leur zone de confort. Oh Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Dieu dit ok, je t'envoie à Boaké. Oh Seigneur, s'il te plaît, je suis à l'aise à Abidjan. Laisse-moi ici. Amen. D'accord, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ça, c'est vrai. D'accord? Et c'est pour ça que dans Genèse 22, verset 12, l'ange a pu dire à Abraham, maintenant que je sais que tu me crains, c'est-à-dire que tu m'aimes au point d'avoir de la révérence, de l'amour et de l'adoration pour ma personne, alors Abraham, d'accord? Et que tu ne m'as pas refusé ton fils en unique, alors je vais te combler. Donc c'était un test pour voir jusqu'où Abraham était capable d'aller avec Dieu parce qu'il l'aimait. Ensuite, vous avez l'exemple de Moïse, Hébreux 11, verset 24 à 25. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa. Pourquoi? Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Et c'est pour ça que la Bible dit, il avait les regards fixés, voyant comme voyant l'invisible. Et il appelait les trésors, les richesses d'Égypte, les trésors de Dieu plus grands, les richesses de Dieu plus grands que les trésors de l'Égypte. Donc, voyez, il y a là une grande révélation de l'amour que Moïse portait à l'égard de Dieu. Il faut aimer Dieu pour faire ce que Moïse a fait. Et jusqu'où ton amour t'a déjà conduit? Jusqu'où ton engagement pour Dieu t'a amené à renoncer à certaines choses? Bien-aimé, Dieu nous a donné cette parole au premier culte. L'amour exige le sacrifice. L'amour exige le sacrifice. Tant que j'aime, je dois sacrifier. L'amour existe, même dans le mariage, l'amour exige le sacrifice. Si ta femme n'aime pas certains de tes amis, tu es obligé de déconnecter. Ne dis pas c'est une mauvaise femme. L'amour exige le sacrifice. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez et vous ne sacrifiez pas pour ce que vous aimez. L'amour exige le sacrifice. Et le test de ton amour, c'est le sacrifice qui est demandé. Donc, c'est très important de le comprendre. Si nous vivons comme ça, ce sera extraordinaire. Abel a fait des exploits. Regardons le cas de David pour conclure. David, la Bible dit en Chronique 21, verset 24, le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre la valeur en argent. On lui a proposé de donner une terre gratuitement. Il dit non, je veux l'acheter. Je ne veux pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Donc, je vais être sûr que ce que je donne à Dieu, c'est ce que qui me coûte quelque chose. C'est ça l'amour de Dieu. Et vous voyez, il aimait tellement Dieu, tellement, que quand l'arche est entrée, la Bible dit dans 2 Samuel 6, verset 16, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Amen. La Bible précise le roi. Quand la Bible dit le roi, c'était pour montrer son statut. Il était roi.
Mais il savait que devant le roi des rois, sa royauté était inférieure. Et que Dieu était son maître. Il a dansé. Il a sauté. Vous savez, quand la Bible dit « Aime l'Éternel avec ta force », c'est pas venir à l'église. Oui, non, avec ta force, danse. Même dans ta chambre, danse pour Dieu. Saute. Alléluia. Souvent, vous me voyez en train de lire la Bible, j'étudie la Bible. Et puis, en certain moment, j'ai une révélation. Je me lève de ma chaise, j'écris. Je suis heureux, passionné dans ma chambre. Je peux rester 3 heures, 4 heures à chanter des cantiques à mon roi. Je l'aime. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être devant les gens. Ça a tout à voir avec le fait d'être devant ton maître. À quoi ça te sert d'être là, de te rouler par terre à l'église, quand tu ne peux même pas te prosterner une seconde seul quand personne d'autre n'est là? Et on a beaucoup de comédiens aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, il y a des positions d'adoration de Facebook ou d'Instagram. La personne est là. Photo. Prends toutes les positions, pense sur toutes les positions. Et il met sur sa page. Qui te trompe? Quand vous regardez même le regard, vous savez qu'il n'adore pas. Je sais, il y a des gens, tu sais qu'il n'adore pas. C'est un comédien. Parce que quand vous adorez, il y a quelque chose qui transparaît de votre aide. Vous dégagez une certaine présence, une certaine lumière sur votre visage. On sait que vous êtes en train d'adorer. Donc ne soyons pas des acteurs vivants avec notre cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et je te garantis que si tu laisses croître cet amour dans ton cœur et tu fais le choix de l'aimer, je te garantis, rien ne te manquera sur cette terre. Et quand tu partiras de la terre, tu laisseras une empreinte indélébile. Ta présence laissera l'odeur de la connaissance de Dieu. On parlera de toi avec respect pour ceux qui aiment Dieu. Et même le diable dira, je l'ai connu. Il m'a fatigué. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te comble. Amen. Et que vraiment l'amour de Dieu dans ton cœur croisse. Croisse vraiment. C'est ma prière pour toi. Alors, vers 5h du matin, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a mis à cœur de rédiger cette prière. S'il vous plaît, on peut la faire ensemble. Tenez-vous debout, on va la faire. Faites-le avec votre cœur, s'il vous plaît. Tout le monde, même ceux qui nous suivent en direct. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Éternel mon Père, je te remercie de tout mon cœur d'avoir répandu ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Père, merci. Je m'engage à vivre le restant de mes jours sur la terre, motivé et conduit par cet amour. Car je sais que sans cet amour, je ne suis rien. Oh Dieu, tu satisfais mon âme, tu me combles de ton bonheur. Je te fais la dédicace de ma vie à partir de ce jour. Oh Éternel, je te prouverai mon amour par mes décisions, par mes actions. Je paierai le prix de la consécration pour ne vivre que pour toi. Je porterai ma croix, la croix de l'obéissance. Ô Éternel, mes actions sur terre témoigneront de mon engagement à t'aimer et à te servir. Oui, Éternel, pour moi, tu as plus de valeur que l'or, que l'argent, que les diamants et toutes les autres richesses. Rien ne prendra ta place dans mon cœur. Je hais le mal, je hais le péché, je hais l'injustice, je hais les œuvres des ténèbres, je hais le diable. Oui, je suis un enfant de lumière, un témoignage vivant de la grandeur de l'Éternel, une preuve qu'il est encore possible d'aimer Dieu et de vivre sanctifié dans cette génération. Je t'aime Seigneur. Merci de m'avoir sauvé et d'avoir fait de moi ton enfant et ton ami pour la vie
Amen. 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 Et Amen. Que le Seigneur pour ta vie.